Et moi, je lance la VOD de The Complex Machin. Je sais plus le nom en entier. Attendez, je regarde ça vite fait. The Complex Expedition. Je reviens, j'entends ça bien. Oui, ça y est, j'ai décidé d'enlever des mots. On est sur, je sais pas, troisième peut-être étape du jeu, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai passé deux ascenseurs. Deux ou trois. Quand on alerte la ferme, Lox, parce que j'ai pas envie que vous me disiez la ferme, en fait. J'ai pas envie. Même si c'est avec ma propre voix, ça passera pas mieux. Ça sera même plus énervant. No parking. Qui est sur la main? De 2h du matin, 6h du matin, les lundis, vendredis et mercredi. Voilà, voilà. Donc on a la réception d'un hôtel. Hôtel très kubrickien, évidemment, comme souvent dans les jeux d'horreur. C'est mission Delphine, non? Bonne nuit, bonne soirée. Ok. En tout cas, on change d'ambiance et ça fait fort plaisir. J'en avais un peu marre, là, de ce qu'on avait avant. J'ai hâte de voir le coin de la piscine. Oh. Oh, la pression. Oh, j'aime bien. On est gaucher. Ok. Intéressant, je vais continuer un peu le couloir avant. Est-ce que notre pote va nous suivre? On verra. La ferme là, c'est entre 500 bits, comme ça c'est pénible, mais ça paye. Ouais, ouais, pourquoi pas? Plein de petites alcôves. Oh, ça va être encore long à explorer, ça. Ça va être si long. Quand je vois une porte, je veux voir ce qu'il y a derrière. Ah bah tu vois. Oui, non, mais c'est pas comme ça. J'ai plein d'alertes à 500 bits. Utilisez-les, là, merde. J'ai même un text-to-speech en français, sans accent espagnol. Bêtise ! Arrête, Infernal, arrête. Je pense que ça va mener au même endroit, mais du coup on va ouvrir. Comme ça on... Ça ne sert à rien. Arrête. Non, mais ça c'est des points de chaîne, on s'en fout des points de chaîne. Ça sert à rien, les points de chaîne. Ah si, ça sert à faire ça. Oh, ça s'est allumé quand je me suis approchée. Intéressant. .305 à .318. Oui, d'accord. On est dans une ambiance... voilà. J'arrive pas à comprendre cet endroit. Entrance North 2. Ok, ça fait un peu bibliothèque. Là-bas, c'est exit. Please pay here. De l'autre côté. Please pay here. Ok. On va aller payer là-bas. Fiction. Ok. Bon, ok. Attendez, j'ai douché ou pas?
Non, c'est pas d'où je viens, je viens de genre là-bas. Je suis allée visiter là-bas un peu plus. Oui, il n'y a rien. Ok, ok, je voulais être sûre. Parce que c'est vrai qu'à force de voir des acheminements de pièces, de couloirs un peu similaires, je veux m'assurer de ne pas repasser en permanence au même endroit. Même si c'est quand même le cas, je pense. Des fois, j'ai envie qu'il se passe un truc derrière quand je me retourne. J'ai faim, je vais me faire des ramen. Normal. Bon app. Moi j'ai fini la pizza que j'avais faite moi-même hier. Elle était trop bonne hier et elle était encore meilleure aujourd'hui. Voilà, du coup j'étais fière de moi. Oh, merci Louis. Tu es un bébou. Non pas tu fais goûter à la pizza. Mais depuis le temps que je dis qu'il faut que tu viennes ici. Vas-y. On vire mes voisins du tout et t'emménages. What is that? Mais c'est encore une cage d'ascenseur. Mais du coup, c'est là d'où je viens? Ou pas? Ah bah non, pas du tout. Attendez, j'ai déjà trouvé la fin du niveau. Bon, bah go, hein. Enfin, on va voir, ça fonctionne peut-être pas. Non, je veux pas la pâte. No, 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 je fais pas la pâte. De toute façon, tout ce qui est truc comme ça, en général, pâte à tarte, c'est plus simple, mais pâte à pizza, c'est vraiment faire de la pâte à pain. Et la pâte à pain à faire soi-même, en fait, j'avais essayé un peu. C'était vraiment pas fou, hein. Oh! Le coin des piscines! L'espace des piscines! L'espace des piscines! L'espace des piscines! J'avais trop envie de le voir. Oh, petite lampe! Franchement, ça me fait un peu... Ça me surprend quand même à quel point ça ressemble aux décos que je fais moi-même dans House Flipper. Rapide ce niveau. Ah bah oui, mais c'est des backrooms catholiques. Donc effectivement, ça fait l'essentiel du jeu, ça va être simplement se promener et essayer d'aller de niveau en niveau, oui, tout à fait. Mais pour un jeu backroom, c'est pas du tout surprenant. Ah. Alors je sais que c'est censé être un peu flippant ce genre d'espace, mais moi je m'y sens très bien. Le pédiluf. En principe, ça doit être trop lourd à faire. Ah ouais, non, mais les pâtes. Et puis en plus, vraiment, hein, moi, j'avais essayé. C'était... En fait, ça avait tout le temps le goût de la levure... de la levure de boulanger. La levure de boulanger que j'utilisais. Et ben... en fait, peu importe celle que j'utilisais, ça avait un goût fort. Et les fois où j'ai essayé de faire du pain, j'ai essayé plusieurs fois, bah, c'était dégueu. Enfin, c'est dégueu à cause il y avait cet arrière-goût très fort de levain slash levure de boulanger. Et, du coup, bah voilà. Du coup, bah bravo si vous arrivez à faire vos propres gâteaux, vos propres pains et tout ça sans que ça ait ce goût-là. Moi, comme ce toboggan, let's go! Y a pas écrit Cry. Ouais, c'est vrai, mais on a vu que c'était l'heure du sub tout à l'heure. Alors, c'est un peu... voilà. Je suppose que c'est une question de dosage. Mais franchement, on mettait vraiment la quantité qu'il faisait. Mais en fait, c'est surtout que... il faut faire son propre levain, apparemment, pour pas que ça ait le goût. Et du coup, ça se prépare à l'avance. Et effectivement, tu dois mélanger ça avec de l'eau, mais à l'avance, et mettre qu'une petite partie de ton mélange dans le truc pour que ça ait pas un goût fort. Mais dans les recettes que j'ai vues, ils en parlaient pas de faire son propre levain, ils disaient mettez juste la levure directe quoi. Levure qui sent très fort hein. D'ailleurs on sait hein, quand on ouvre le truc que ça va avoir un goût fort. Qu'est-ce que c'est ça? Encore une petite fixation d'une petite lumière qui marche pas. Oh, oh je vais direct. Oh, je vais y aller. J'aimerais tellement entendre des... dans l'eau.
Genre, t'as quelque chose dans l'eau qui court vite, au loin. J'aime bien en tout cas l'espace des piscines. Du coup, ça rajoute des petits bruits et tout, qui peuvent être oppressants. Oh, c'est ça. Let's play! C'est exactement ce que je suis en train de faire. Eh. Le jeu, il sait, hein. L'espace piscine, mais aussi cette détente. Ouais, c'est ça. Cette détente. Ah, il n'y a pas de remous dans l'eau quand tu marches, même parce qu'on n'a même pas nos pieds, en fait, malheureusement. Mais si, c'est un endroit plutôt agréable, en vrai. On est plutôt bien, hein. Avec cette petite lumière douce et tout. Ma fleur est enfin à nouveau opérationnel, on dirait. GG. Mais si t'as besoin de tips, n'hésite pas à demander une game. Oh, c'est déjà fini l'espace de piscine. Ah là, ça fait un peu espace resto. No shoes here. J'enlève pas mes shoes, moi. Surtout que c'est de la moquette dégueu, là. Je crois que c'est cet espace où t'as une sorte de fête d'anniversaire avec des mobs, potentiellement. En tout cas, dans Escape de Vacuum, il y a ça et ils en parlent. Ça fait partie des salles connues. Des... Backroom. Mais en fait, on est revenu ici, ok. Et ben, ascenseur. Hop là. On enchaîne. Ouais, c'est vraiment c'est cool quand on s'est vu, c'est très cool. No smoking here. Oh. Ok. On n'a pas vu ce sol encore. Petit ciel étoilé. Oh punaise, on est dans la fausse maison, la fausse résidence, peut-être. Oh, mais c'est sympa ici. Je peux monter. Ou pas. Carnival Ghost Train. Oh, le train fantôme, let's go. Un carrousel. J'aimerais trop qu'on voit passer un truc au long. C'est pas grave. Le jeu reste quand même cool. Les petits chevaux. Ouais, on pouvait pas monter dedans. Il y a un carrousel, ils ont tellement copié Power Wash. Enfin bon.
Oh non, on est retour dans ces espaces-là. Oh non, on s'emmerde. Moi, je veux de la nouveauté. Et des mobs. En tout cas, il y a une musique qui fout un peu la pression maintenant. Ah, mais je vais peut-être pouvoir revenir. Genre, on est parti en expédition. Peut-être qu'on va pouvoir revenir là d'où on vient. En vrai. Parce qu'on est, on est sorti d'un endroit comme ça. Aïe. Ça veut dire qu'on est sur la bonne direction. Notre pote, il nous empêche d'avancer. Mais vers la bonne direction. On a vu le cousin. Merde, j'ai éteint la lumière. J'ai l'impression qu'on va pas réussir à partir. Je me trompe peut-être. J'ai l'impression. Je vais doucement. Je pensais qu'on allait être attrapé juste avant. On sera plus seul dans l'ascenseur. Oh oui! Mais moi, c'est mon pote, moi, lui. Je pense qu'il me protège. Il me protège des mauvaises ondes du monde. Caution, what the fuck floor? Ok. J'avoue, what the fuck. Une main qui retient la porte, ouais. Même si ça, on n'a pas trop ces modèles-là. On n'a pas trop ce type de mob-là. Moi, je l'aurais bien vu... J'aurais bien vu... Je sais pas, l'ascenseur qui s'ouvre pas, ou lui qu'on voit au loin, et paf, l'ascenseur ne remonte pas, je sais pas. Bon, c'est pas vraiment des fenêtres, hein, ça donne sur rien. En tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance et je trouve que malgré... En fait, même s'il est labyrinthique, il y a des moments un peu chiants, hein, forcément. Mais je trouve ça moins... Pour le moment, en tout cas, je trouve ça moins fastidieux que pas mal de jeux à la Slenderman où ce sera que dans une forêt et juste le labyrinthe, c'est être dans une forêt en permanence et se faire chier à repasser mille fois aux mêmes endroits ou d'autres jeux qu'on a fait un peu récemment qui avaient ce même procédé aussi où t'es dans une forêt et tu dois trouver juste les petits trucs à trouver quelque part par-ci par-là à côté d'une bûche. Bon, voilà, là au moins on a un peu cette sensation de progression plus oh j'avoue j'ai même pas essayé d'appuyer sur l'alarme incendie. Oh putain, j'ai même pas essayé. Je suis trop sage comme meuf. J'ai même pas essayé quoi. Salut Dread. Nickel à part que le câble fibre qui arrive chez moi est coupé. Oh putain. Oh putain, ils mettent souvent du temps en plus à faire ça. Devoir attendre longtemps. Pour en avoir un neuf. Bah ouais, et puis surtout si t'es le seul concerné. Vu que c'est ton câble. Souvent ils mettent vachement de temps avant d'agir. Alors que quand ça concerne tout un lotissement et tout, là ils vont beaucoup plus vite en général pour se bouger le huc. Une chaussure. Il y a un délire avec les chaussures. On avait plusieurs fois un truc nous disant les chaussures ne sont pas autorisées ici. Un autre qui disait...
Posez vos chaussures là. Là, maintenant, on voit une basket. C'était une basket aussi la première fois. Est-ce que je peux passer? Ah ouais, je peux passer. Je pensais pas. On est vraiment tout. Et voilà, je sais pas. Il y a un délire avec les baskets. Je trouve ça rigolo. Le supermarket. Fun. Bon. Où va être la suite? Ça m'appelle une scène dans Jeux Zombies ou... Ah oui, peut-être bien. Moi, ça me rappelle parce que j'ai fait plus récemment Dead Island où t'as tout la... le QG de la fin du jeu. Là où on est vers les derniers chapitres, enfin, le dernier moment du jeu, et ben on passe à chaque fois par un supermarché pour rentrer et sortir du QG. Il était cool, Zombie U. J'aimerais beaucoup qu'il retente un truc dans le genre. J'avais bien aimé Zombie U. Ouais, c'était rare de trouver une nouvelle licence d'horreur en plus sur une console Nintendo, en plus d'une console qui a complètement floppé. C'était bien. La 4G est pas suffisante pour suivre le live. Oh ouais, et puis en plus ça va te bouffer toute... ça va te bouffer toutes tes datas là. Après, ils sont censés te filer, ton opérateur est censé te filer une antenne 4G ou un truc comme ça. Hein. Parce qu'ils sont responsables de leur ligne. Si elle n'est pas opérationnelle, c'est à eux de régler ça et de faire en sorte que toi, tu puisses continuer à avoir une vie, quoi. Moi, je me doutais que j'allais revenir ici, mais bon. Mais bon, je regarde. On s'éloigne de la petite musique. Non, pas tant que ça, en fait. Avec la 4G, tu es inutilisable à moitié pété. Mais carrément. Au bout d'un moment, quoi. Toujours plus. Oh non, pas encore issu. Oh non. Ah, plus de musique d'un coup. Dites-moi que là je peux passer. Oui. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Ça va pas? J'ai ma réponse. Ah, tchoum! Merci beaucoup pour les avocados, Louis! Galwen Flo Flo. Nox, je me dis rien. Nico Piro Abadik, ça c'est cool. Merci beaucoup! Merci beaucoup, beaucoup, c'est adorable la glissade. Ah, ça glisse. Merci, c'est trop mignon. Bon, les alertes sont réparées, alors malheureusement, tout à l'heure. Il y a Yasmok qui a sub et ça n'a pas été pris en compte. Enfin, ça si, mais ça n'a pas fait d'alerte. En tout cas, elles sont réparées. Merci! Merci beaucoup, beaucoup, c'est trop mignon! Salut Flo Flo! Oh, merci vraiment, c'est adorable de fou et je ne sais quoi dire à part ça. Merci beaucoup, beaucoup. Oh! Ah, j'aime bien.
m'a fait peur. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une nouvelle alerte. Mais là, il y a des bruits chelous, là. Là, j'ai pas feinté, hein. Merci! Merci beaucoup, Infernalo, pour ton Prime! Bientôt les 30 ans! Merci beaucoup, Louis. Merci, 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 Infernalo. Je participe. C'est gentil. C'est très gentil. Ça fait toujours plaisir. Écoutez, vous entendez? 32 ans déjà. Eh oui, 32 ans. On entend respirer en bas, mais je peux pas voir, c'est trop frustrant, j'ai envie de me... Non mais... Merci beaucoup. Un train de live, quoi, sur... sur un jeu... Sur un jeu de balade. Le chat est fifou, mais oui! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais merci beaucoup! Merci beaucoup, vraiment! Je ne sais pas ce qui justifie ça, mais merci beaucoup! Merci Catholi, c'est adorable! Voilà, beau cadeau à Flocon! Non mais pourquoi? À Booba Busso Delphine Keshigo! Samuel! Et au Louis qui en rajoute, non mais. La VOD n'aura aucun sens! Pas que des VOD de Subgif, pourquoi? Vraiment! Merci beaucoup! Vous savez quoi, j'avance en regardant le chat, c'est sûr qu'il se passe des trucs. Merci, merci. Merci à Louis, Catholise. Merci beaucoup. C'est adorable, vraiment. Oh, on reprend le métro. Et on reprend le métro. Let's go le métro. C'est adorable, merci beaucoup. Attention au mur. Il démarre pas le chouchou. Je sais pas, il en approche, mais en vrai... Oula, je lag un peu. Un peu tout qui lag. Mais en vrai, de toute façon, bon, en train de la hype, c'est adorable et tout, mais... Ils sont toujours... voilà, il faut, c'est un peu en mode... Ah oui, non, il est là, mais faut voir pour que ça passe des niveaux. En tout cas, vous avez fait déjà beaucoup, merci beaucoup. J'ai fait le rap pour le faire partir. Ouais, je sais pas comment ça fonctionne. Il faut que ce soit des donateurs différents, je crois. On est en niveau 1, je crois. Normalement, on est en niveau 1. Deux personnes minimum. Ah bah, on aura forcément niveau 1 du train de live, alors. Du coup, merci beaucoup. Vous direz sûrement une petite émote. Voilà, pas grand-chose, hein. C'est pas un... pas fou. Merci beaucoup, vous êtes trop mignons. Je ne sais quoi dire. À part que... Encore un sub pour qu'il démarre. Oui, non mais c'est bon. Ça a marché. J'avais mis une émote, j'avais oublié. Oui, j'avais mis le truc de... Ça fait... Oui, je l'avais fait il y a un petit moment, j'avais un peu oublié. Du coup, ça fait des trucs normalement sur l'écran et tout. Le canon de Marcel, oui, merci beaucoup Didibel pour l'avocado à Scromar. Vous avez réussi, il est niveau 3, bravo! J'ai mis le canon de Marcel, ouais. Je me suis dit que c'était bien. On est vraiment dans l'ambiance de l'horreur, en tout cas. Merci! C'est trop mignon! Vous êtes trop chou! Oh! Vert ou orange? Oh, vert. En vrai, c'est ma lumière qui est derrière. Merci beaucoup! Vert, ouais, ouais, on était tous à fond sur le vert. De toute façon, la couleur était plus intense. En fait, le camion est Marcel. Putain, j'avoue. Ou Marcel est le camion. Question d'une loi étrange. Question d'une loi étrange. Je vais lire ça de ce pas. Alors. Ça, on l'a lu. Dans un certain pays, il est interdit de payer un produit coûtant 50 cents en pièces de 1 cent. Enfin, 1 centime. Et je... C'est-à-dire que on n'a pas le droit de mettre que des 1 centime pour payer un truc à 50 centimes. 50 cents. 1 centime. Voilà. Ouais. Je brouille les pistes, on sache pas. C'est pas la France.
La France, normalement, ils sont... Alors, maintenant, ça a changé, remarque. En fait, ça, ça date d'avant. Mais maintenant, ça a changé. Et en France et en Belgique aussi, je crois que les pièces de 1 centime, elles sont de plus en plus virées. Et elles sont en train d'être... elles sont en train d'être... Enfin, c'est récent, en tout cas. Le truc, il a plusieurs années. Ça dépend du commerçant. Bah, justement, normalement, je crois qu'un commerçant en France, à la base, n'a pas le droit de te dire non, on n'accepte pas les pièces de 1 centime. À la base, il me semblait qu'il n'y avait pas le droit. Mais ça a peut-être changé. C'est pas les USA, mais vous êtes sur le bon continent. Oh, je sens bien ce couloir. Là, il met un petit cul-de-sac et je suis bien, bien en galère parce que je me retape tout dans l'inverse. Oui, c'est Canada, tout à fait. Canada, les pièces de 1 cent sont plus là. Bah, en Belgique, elles sont quasiment plus là non plus. C'est d'où je viens, c'est ça? Oh, je sais pas. Non, je pense pas. Hein. C'est très vieux alors. Le truc, il doit dater de 2018, un truc comme ça. Ça fait 10 ans. Il n'y a plus les 1 centime, c'est ça? Ça fait 10 ans? Ah ouais? Ah, peut-être qu'il était pas à jour déjà. Hein. Je sais pas, quand tu cours, ça fait Canada, Canada, Canada. Oui, oui, j'ai la rêve, j'ai la rêve. Et en Belgique, nous, ils ont, en tout cas à Bruxelles, je sais pas, c'est partout comme ça. Ils ont... Oh, merci. Mais vraiment, ça n'a... Merci beaucoup, mais pourquoi? Merci beaucoup! Merci Didi Belle! La Bocado à Lyle on the Road, Bentenzo, Darky Lou. Oh, c'est dur, il y en a certains. C'est Pitkentrop, Picantrop debout. Bref, dur. Janos the Hedgehog. Merci! Merci Didi Boss, oui! Merci beaucoup, mais vraiment, he's okay! Enfin. Merci, je ne sais pas quoi dire. Vous êtes trop mignons. Vous faites pas avoir par le train de la hype. C'est un truc de Twitch. Rien que vous soyez là, moi, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Pleu de sable, pluie de sable, oui. Mais je ne mérite pas, là. Je fais rien de... J'ai l'impression que vous proposez vraiment un contenu... contenu chiant de fou, là. Du coup, j'ai tellement pas l'impression de mériter ça. Du coup, je suis en mode, non, mais ne voyez pas. Arrêtez, c'est nul ce que je fais. Merci. Merci beaucoup Didi Belle, merci beaucoup beaucoup. Bah, vous aurez un train de la hype encore plus voilà, encore plus longtemps. Merci. C'est contre-soirée dans le chat. J'avoue, ça a l'air bien d'être dans le chat. Tu marches, ça c'est du contenu. Oh, on a peut-être bientôt fini le jeu en vrai. Oh, je sens de fou qu'on a bientôt fini le jeu. Là, je contrôle pas là. Je me doutais qu'on allait le voir. Je me doutais. Salto, bah il l'a fait le salto. Arrière en plus. Là-bas, je voulais jouer à Skyrim de ouf, mais je suis restée ici. Rip la cam. Oh merde, on va avoir une cam rayée tout le temps maintenant. Ok, on fire. Bon, j'ai au moins de la lumière. J'avais peur de pas en avoir. On n'a pas trouvé d'eau d'amande. Ça, c'est un truc des backrooms. C'est la source d'eau. Du lait d'amande ou de l'eau d'amande, je crois qu'ils appellent ça. Il y a quand même de Outlast de fou. Merci encore, un grand merci, Didi Belle. Vraiment, 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 merci beaucoup. J'ai l'impression de ne pas avoir été très reconnaissante en disant oh, vous ne devriez pas. Oui, elle m'a dit merci, meuf. Merci. Oh! Là, on retrouve,
On retourne là d'où on vient. Là, on est en train de rentrer. Je pense que ça va mal se passer. La source de nourriture principale, c'est ça. En vrai, j'aime bien l'ambiance des backrooms. J'en ferai bien d'autres, des jeux backrooms. Ça me plaît pas mal. C'est quoi au loin? Ah, je peux plus zoomer? Si. C'est juste le mauvais clic. C'est bizarre que ça s'arrête net là pour revenir là. On va suivre, hein. On va suivre la ligne. On va retrouver le poteau du début. C'est vrai qu'on l'a perdu très vite, hein. On l'a perdu très vite. On est en train de rentrer. C'est fou. J'y vais pas en courant. On va même derrière moi. Et il y a un délire un petit peu comme quoi, quand tu glitches dans le... Oh non, c'est pas... Ça a pas l'air d'être bien. Ça a pas trop l'air d'être... Si ? Ah oui, voilà. Il appelle un petit peu ses mates. Il y a un délire comme quoi le temps s'écoule différemment aussi, quand tu glitches. C'est nous qui te remercions, monsieur. Genre, adorable, Didibel. Vraiment, je ne suis trop... Non, moi qui vous remercie de fou. Vraiment, merci beaucoup. Adorable. Y a un délire comme quoi le temps s'écoule différemment quand on glitch, quand on passe d'un endroit à un autre et tout ça. Comme quoi, bah là, il a pu s'écouler 40 ans. Ça, les backrooms, ça vous fait plaisir, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Ça va finir par prendre des gens que je connais même pas. Bon, là, si, il y a encore des gens que je connais. Merci beaucoup, Catholise. Pour la bocado à cross officiel, Liwi. Mel Plume, je pense savoir qui c'est, mais je suis même pas sûre, mais Dieu pense. Gauchetesse et Geekool McNerd. Morsu ! Le chat est rempli de beaux gens, mais oui. Et vous savez quoi, ce qui est marrant, c'est que Samuel Sam, il est encore passé entre les subs. Ça me fait rire parce qu'il bon, c'est un petit peu un running gag. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catholis. T'es trop gentil. Merci, merci. Qui ça? Samuel Sam, que vous voyez souvent, et qui, en fait, il y a un petit peu un running gag sur lui, c'est que, quand il y a des sub-gifts, tout le temps... Après, là, ça se trouve, il en a reçu un, et il est peut-être sub, c'est peut-être pour ça aussi. Mais je suis pas sûre. Quand il y a des sub-gifts, en tout cas, il passe toujours entre les mailles des sub-gifts, tout le temps, tout le temps. Quitte à ce qu'il soit dans le chat, follow depuis longtemps, dans le chat depuis des heures, et que ça sub quelqu'un qui n'est même pas... qui n'est jamais venu sur ma chaîne. Ça arrive. Mais là, si ça se trouve, il a reçu un subgift bien récemment, et c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Très possible, on a quand même eu des sub-bâtons et des trucs comme ça, donc très possible. Oh oui, sur le DOS. Non, non, mais je crois qu'il en a un en vrai. Je crois que là, il en a un. Mais ça me fait rire. Si c'est pas le cas, ça me fait rire. Oh, signal. Donc là, on est dans les bureaux de le truc qui explore les backrooms, et on voit qu'il y a personne. Je le vois pas. Mais il doit même pas être sur le chat, de toute façon. Il aime pas les jeux d'horreur. Il aime pas les jeux d'horreur, donc un peu de chance qu'il soit là. Mais he's ok. Merci beaucoup, Catholise. Merci beaucoup, Didipel. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup. J'espère que j'ai oublié personne. Le petit Prime aussi de Farnalou. C'est les vitres qu'on voyait. Coucou Machiavel. Mais c'est fou. En plus, on est sur un moment intense. On n'est pas tout à fait dans l'ambiance. Mais c'est trop gentil. Merci Machiavel, merci beaucoup. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup pour le prime et le bébé. Parce que 9 mois d'abonnement. Merci pour la grossesse passée sur le live. Ce qui est compliqué, voilà, tout ce qui...
Je commence enfin, peut-être, ou il se termine, moi, je pense. Merci, ma cabane. Et salut à toi. Eh ben... Ok. Je pense que le jeu, malheureusement, s'arrête là. Bon. Cinématique. Ouais, Magwave, c'est ceux qui font les recherches dans les backrooms. Bah ouais, hein, je pense qu'en fait, il est mort du coup, le gars. Il a glitch et tout. Enfin voilà, il est revenu dans la réalité. Bon, de manière, je n'ai pas trop compris. Ouais, c'est fini. Et du coup, bah voilà, il est passé à travers, il est revenu dans le monde normal et... Voilà. Quoi cette fin? Bah elle est pas ouf, mais en vrai, quand on connaît l'heure des backrooms, ça a un peu... Si, elle est... Il y a de l'intérêt. Il y a quelque chose, clairement. Vous connaissez un peu l'heure des backrooms. Mais il faut savoir aussi que le gars, il est tout seul à avoir fait son jeu. Vraiment spécial les backrooms. Ouais, ouais, c'est un peu spécial. Ils sont pas les seuls à faire des recherches dans les backrooms. Bah, je sais qu'ils sont pas les seuls à être présents sur les backrooms. Après, est-ce que les autres trucs font des recherches ou font plus de l'explo à des intentions bizarres? Je ne sais pas. Les backrooms ont été créés via une expérience, si monsieur Mamère. Bah, ça dépend de quel lore de backroom tu parles, parce qu'il y en a plusieurs. Et il y a plusieurs aussi origines des backrooms selon le lore, machin. En tout cas, merci beaucoup! Et on a eu un train de live niveau 4, merci beaucoup, beaucoup. Et bah du coup, je vais couper la VOD qui n'était pas très effrayante pour le coup. La première était un peu plus intense en effrayage. Là, j'avoue que j'étais moins dedans à cause du chat, c'est pas ma faute. Du coup, des bisous. C'était Expedition, c'était machin, The Complex Expedition. Bisous VOD.